Bonjour, nous allons étudier la composition du verbe. L'infinitif est la forme non conjuguée du verbe sans indication ni de personne ni de temps. Le verbe à l'infinitif se décompose de cette façon. Le radical, la radice, que je te conseille d'écrire en bleu ou en noir. Puis la terminaison, qui correspond à la desinenza, que je te conseille d'écrire en rouge. Ainsi, pour conjuguer, ce sera beaucoup plus facile pour toi. Il existe deux sortes de verbes. Les verbes d'action, comme courir, correre, lire, leggere, sauter, saltare, écrire, scrivere, parler, parlare, agir, agire, regarder, guardare. Les verbes d'état, souvent le verbe être ou des verbes semblables. Être, essere. Devenir, diventare. Demeurer, rimanere. Rester, restare. Sembler, sembrare. Apparaître, apparire. Les modes des verbes sont au nombre de 7. 4 modes personnels qui se conjuguent. Indicatif, conditionnel, subjonctif, che corrisponde al congiuntivo, impératif. 3 modes impersonnels qui ne se conjuguent pas, infinitif, participe, gérondif. Les temps principaux sont présent, imparfait, passé, futur. Quand tu apprends les temps, écris le verbe sur une feuille ou sur un cahier, en utilisant deux couleurs différentes. Le bleu ou le noir pour le radical, la radice, qui ne change pas. Le rouge pour la terminaison, qui change selon le mode, le temps et la personne. Je te donne un exemple. Couper, C-O-U-P-E-R, tagliare. Parler, P-A-R-L-E-R. Parlare, trembler, tremare, T-R-E-M-B-L-E-R, marcher, camminare, M-A-R-C-H-E-R. Tu vois que le français, ça n'est pas si difficile. Réécoute plusieurs fois cette leçon, inscris-toi à ma chaîne YouTube, Le français pour tous avec Elodie. Je te dis à la prochaine fois. Et je te souhaite une excellente journée.